Yo les gars, c'est Nsou, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Roblox et sur Pet Simulator 99. Et aujourd'hui les gars, on va faire un gros pack opening de plein de choses. Mais avant que le pack opening commence, si les gars vous voulez rejoindre mon clan et pour la partie 2 où on fera un pack opening d'abonnés, rendez-vous juste ici dans la boîte aux lettres. Sur envoyer un cadeau, vous marquez Prince End, Prince avec un P majuscule, END comme ça en majuscule. Et puis soit vous m'envoyez des messages, soit des animaux, soit des gemmes. Et puis comme ça, avec tous vos cadeaux, quand je vais tous les recevoir ici, je vous ferai un méga pack opening pour les abonnés. Et vous pourrez rejoindre mon clan, avoir des récompenses et avoir des magnifiques pets, pourquoi pas, dans des giveaways. Du coup, c'est parti et bonne vidéo. Yo les gars, c'est Nsou, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Pet Simulator, ou plutôt une ouverture. Bon, je vous épargne les détails, je l'ai déjà entrouvert parce qu'il y avait du scotch partout, juste là, etc. Donc en gros, c'est un coffre énorme Pet Simulator avec plein plein de récompenses. Donc c'est sur Amazon, vous voyez la taille, ça fait la taille de 3-4 mains, c'est vraiment très gros. Hop, donc c'est parti, on commence direct sans plus tarder. D'ailleurs, il était un petit peu ouvert sur le côté ici, là on peut ouvrir ça par le haut. Donc j'espère qu'il n'y a rien en moins. Normalement, il y a 11 items. Alors attendez, vous n'allez pas pouvoir tout voir. Donc on a un premier item juste là, un deuxième là, on a une peluche énorme juste là. Donc ça fait 3. On a 3 jouets aussi. Donc ça fait 6. On a un truc là, 7, 8. Bon, je sais pas. On verra s'il manque des trucs. Mais si jamais il manque des trucs, les gars, vous inquiétez pas que je vais bien envoyer un petit message à Amazon. Ça, c'est sûr. Alors, déjà, on a quoi de beau ici? Oh, c'est stylé. Donc on voit tous les petits animaux avec un petit peu la rareté, etc. Ok, pourquoi pas. Oh, il y a un alien et tout. Il y en a que j'ai jamais vu. Du coup, ici, on a quoi? C'est des autocollants. Ok, je m'en fous un peu. Et donc, on va commencer par les jouets. On va garder les meilleurs pour la fin. Hop. Et donc, c'est parti. Donc, on a 3 œufs normalement. Alors, attendez, parce que je vais lire ce qu'il y a marqué sur l'emballage. Hop. D'ailleurs, j'ai plus le. Faudra que je regarde sur Amazon un peu le contenu, parce qu'il y a marqué 11 items. Et donc là, quand je retourne, il y a marqué, les gars, on a un poster collector, donc je sais pas si ça considère comme un item, un sticker, ça on l'a, 3 œufs qui sont là, une grosse peluche, 2 petites et 2 DLC. Donc au final, ça fait 10 items. Je sais pas si le coffre en lui-même est contenu comme un item. Et donc d'ailleurs, on aura une partie 2 où on ira ouvrir les trucs sur Pet Simulator, les petits coffres. Oula, il est à moitié. Ah non, il n'est pas ouvert. Ok, stylé. C'est trop stylé. Bon, il est un petit peu abîmé là. Bon, c'est pas très grave. Putain, c'est trop stylé. Ok, alors comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Oh, c'est galère. Attends, peut-être là, là. Mec, c'est impossible à ouvrir. Il faut le défoncer. J'ai pas envie de le défoncer. Comment faut faire? Oh mec, ça a l'air trop dur. Attendez les gars, par en bas. Oh, je suis en train de tout péter. Mec, je sais pas si je pète tout ou pas. Bon, on va faire comme ça. Hein. Ça a l'air trop dur, oui. Ça se trouve, il faut des ciseaux normalement. Moi, je l'ouvre comme un bourrin. Allez. Allez. Ouais, c'est impossible, frère. Ah, je suis en train de me péter les mains, les gars. Ok, on y arrive. Ouah, putain, j'ai galéré de baiser. Ok, alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a un petit chien. Ok, petit chien. Oh, j'ai les mains toutes rouges. Un petit chien robot. Ok, il est très mignon. Avec un petit socle. Je peux le poser comme ça. Ok. Oh, par contre, j'ai tout niqué. Est-ce que je peux le refermer après? Bon, ça on verra pour plus tard. Hop, je vais poser ça là-bas. Boum, avec le petit chien et le socle. Oh, je me suis niqué les doigts. Bref, on continue avec le deuxième. Mec, c'est tellement dur à ouvrir. Je pense que vous imaginez même pas. Hop, allez, let's go, baby. Allez, wesh. Oh, je pète tout, les gars. Oh, je suis en train de tout niquer. Ok, le deuxième, je vais essayer de l'ouvrir à peu près pareil. En fait, je sais pas comment ça s'ouvre. Pour moi, il faut un ciseau, il faut péter l'emballage. Mais j'ai pas envie de le péter. J'ai envie de garder un peu en souvenir.
Oh, j'ai tout pété là. Allez. Ouais. Oh, la petite Luciole. Avec un petit DLC. Ah bah les deux DLC sont là. Non, bah fallait pas que je les pète ceux-là. Hein. Hop, donc on a le petit socle. Les deux DLC sont là. Donc on ira voir juste après dans le jeu, les gars, ce que ça donne. Vous inquiétez pas. On verra ce qu'on a gagné dans le jeu. Et ça marche sur Pet Simulator 99 d'ailleurs. Parce que ça, c'était à l'époque sur Pet Simulator X. Mais ça marche sur le 99. Et tant mieux, tant mieux. Imaginez, je dois être bloqué avec des pets de 99, de X, pardon. Ça aurait été un peu chiant. D'ailleurs, je me demandais où étaient les codes, mais du coup, c'est cool. Ils sont dans l'œuf. Ça serait drôle qu'on ait plus de codes en plus. Genre sur les autres œufs et tout. Bon, je pense pas, hein. Les développeurs et tout, ils sont pas Google. Oh, lui, c'est ouvert trop facilement. Et donc, c'est lequel? Le petit chat. Ok. Le petit chat robot. Attends, je vais vous montrer tous parce que je vous les ai montrés vraiment vite fait. Hop. Donc voilà ce qu'on a eu de beau. Apparemment, c'était aléatoire. Je suis pas sûr, honnêtement. Parce que c'est une boîte un peu robotique, tech. On va quand même regarder ce qu'il y a de beau. Alors attendez. Ouais, non, ça a pas l'air random. Par contre, la Luciole, elle était peut-être aléatoire. Mais bon, je sais pas du tout. Je sais pas, je sais pas. Ok, on passe au plus intéressant, les gars. Hop, je me remets bien. Les petits peluches. Donc c'est parti pour la première. Attention. Oh, le petit lapin. Oh, c'est trop mignon. Le petit lapin robot. Petit lapin robot. Putain, il est trop stylé. Attends, du coup, lui, il est où? Je regarde le poster là. Leur poster bizarre. Y a même pas. Y a même pas. C'est quoi ce poster de Gaulmont? Je regarde à l'intérieur, mais je pense qu'il n'y a rien d'autre. Hop. Putain, il est trop stylé. D'ailleurs, mon pote en a commandé un aussi. Donc, je mettrai peut-être une image de tout ce qu'il a eu à la fin de la vidéo. Ou alors, je vous dirai ce qu'il a eu. Parce que je lui demanderai après. On passe au deuxième. Et ça va être le chien, je pense. Ouais. Ah non, c'est le panda. Ok, petit panda robotique. Je pense qu'il est trop doux et tout. En plus, il fait la taille près de ma main. En comparaison. Sachant que j'ai des grandes mains, en vrai. Putain, il est trop stylé. Trop stylé, trop stylé. Et on passe du coup maintenant au méga big, les gars. T'es mal à la taille. Ça fait la taille de ma main pour le coup, celui-là. Ok, c'est parti. Normalement, c'est le chien, je pense. Ah non, c'est le canard, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, il est méga big. Oh, regarde sa petite tête. Oh, les gars, c'est tout doux et tout. Ils sont trop bien faits. Ok, bah le petit canard robot. C'est trop mignon. Je vérifie à l'intérieur des emballages, mais normalement, il n'y a rien. Parce que ça serait bête d'oublier des trucs. Hop, les emballages, ils finiront sûrement à la poubelle. Bam. On vérifie bien. Mais du coup, ça fait 11 items, en fait, si on compte le coffre. Si on compte le coffre, ça fait 11 items. Mais je sais pas si on doit compter le coffre, en fait. Parce qu'après, le coffre, il est énorme. Vous imaginez même pas à quel point. Donc en vrai, ça compte quand même, je pense. De toute façon, j'irai me renseigner sur Amazon si jamais il manque un item. Mais normalement, c'est bon. Ok. Et eh ben les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était très sympa. J'aime trop faire des petites ouvertures comme ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit très aléatoire. On verra si mon pote a eu pareil. Du coup, voilà moi tout ce que j'ai eu avec les deux DLC qu'on va découvrir normalement juste après dans la vidéo. Donc, on se retrouve après. Et puis, si jamais il n'y a pas de suite, et eh ben ciao, comme d'hab, pouce bleu, commentaire, etc. Ciao, ciao! Ok les gars, c'est bon, on est sur Roblox avec Blouds, son petit skin Ouais. magnifique. Ça va bien? Tranquille, tranquille, hein. Du coup, toi aussi, tu vas voir le gros coffre. Tu le Normalement reçois demain, demain. ouais, je pense. Normalement. Bah, du coup, tu m'enverras une photo et un screen des pets que tu as eu avec les codes et tout. Et puis, je mettrai à la fin de la vidéo. Mais du coup, là, je vais ouvrir mes petits codes. Alors, attends, où est-ce que c'est? Je sais même plus, je suis perdu. Ok, c'est là normalement, tout en bas. D'ailleurs, attends, je vais débloquer aussi un truc aussi. Regarde, dans les achievements, normalement, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? C'est tout en bas, je crois. Non, c'était pas si là-dessus. Je sais où, je sais même pas, mec. Ok. Maintenant, je vais. Ah non, bah non, parce que j'ai que deux codes. Ok, bah prochaine vidéo, les gars, parce que je vais recevoir une commande claire avec 5 trucs d'œufs bizarres. Bah j'aurai l'overboard. Du coup, c'est un peu triste. Parce que ma commande claire, vas-y, ils me l'ont envoyé 40 000 ans après. Donc, les codes, c'est parti. Toi, tu vas pas me voler mes codes, merci.
Attends, je commence par lequel? C'est quoi? Je commence par le coffre-fort. Alors, déjà, attends, j'arrive même pas à écrire. 8. Les gars, je suis un peu teubé, mais mes touches de OBS pour record de mon écran, c'est 1 et 2. Et quand j'appuie sur 2, ça supprime, ça arrête le record. Et malheureusement, pendant que j'étais en train d'écrire le code, j'ai appuyé sur 2, puisque le prochain numéro c'était 2. Et donc, ça a arrêté le record. Et j'ai tout enregistré pour rien, comme un golemon. Mais bon, c'est pas grave, vous avez pas loupé grand-chose. Donc, si vous avez loupé, c'est qu'en gros, on a ouvert un œuf. L'animation était stylée en plus, je suis dégoûté. Blouse, toi, tu nous la montreras, au pire, Ouais, si j'avais pas. Ouais, tu récras. Et donc, on a eu une animation super stylée avec un œuf qui a grossi et tout. Et donc, on a eu l'œuf du petit coffre, qui est très joli. Putain, du coup, j'avais dit tellement de trucs, mais vas-y, tant pis, c'est triste. J'avais dit plein de trucs, je sais même plus. Et du coup, les gars, j'ai rentré le deuxième code juste après. Et donc, le deuxième code, j'avais eu un œuf mythique qui est juste là. Et donc, justement, j'allais partir vous montrer dans la Trading Plaza les œufs. Hop, juste ici. Donc, en gros, vous avez, quand vous achetez des jouets, des doudous, des plein de trucs comme ça, vous avez soit la série 1, soit la série 2. Pour l'instant, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Et donc vous avez soit des trucs basiques, rares, épiques, légendaires ou mythiques. Et la rareté exclusive, c'est une rareté où vous avez genre des items garantis comme l'œuf coffre, enfin le coffre, etc. Et donc là, pour le coup, moi, comme c'est un gros item, j'ai eu un mythique qui est le meilleur parmi tous les trucs. Parce que vous voyez que là, vous avez des exclusifs avec un huge, mais vous voyez, c'est un peu rare. Et les mythiques, en fait, vous avez un huge garanti. Donc c'est incroyable. J'aurais bien aimé, en vrai, tu trouves pas que ça aurait été cool qu'ils nous mettent genre un petit peu de chance d'avoir un Titanic, parce que tu vois, Non. ça aurait été cool. Regarde, ceux-là, c'est des exclusifs avec un peu de chance d'avoir un huge. Moi, je trouve que ça aurait été drôle, plein de huge avec 1% de chance d'avoir un Ouais, un Titanic. En 1%. vrai, pas mal. Ouais, un point d'interrogation, je Bah ouais. pense. Mais du coup, c'est 100% de huge, et donc voilà un peu ce qu'il y a de beau. Donc moi, on a le série 2 qui vaut 36 millions, c'est quand même pas mal. Oh, c'est énorme quand même, mec. Du coup, les gars, je vous le remontre, mais il est juste là. Je pense que j'essaierai de le vendre, les gars, et puis si jamais je me rends compte que je peux pas le vendre, c'est un peu chiant et tout, je l'ouvrirai et puis je vous recorderai. Mais du coup, voilà l'œuf, parce que je voulais pas montrer en détail, mais il vaut 27 millions à peu près. Il est lock, mais ça on s'en fout. Je pense qu'on peut le délock. Il est Il fait niveau clic droit. 1, il a pas de charme. Clic droit? Ah ouais, unlock. Je vais pas l'unlock pour l'instant, c'est jamais. Donc j'ai le 6013ème, je pense, qu'il est numéroté. Avec écrit mon blaze en dessous. Les autres que j'ai, il n'y a pas de blaze. Et il y a le charme. Enfin, pas de charme. Vu que j'en ai pas mis. Et 5000 exemplaires. Bon, bah. Ok. C'est stylé, c'est stylé. Du coup, ouais, j'espère que si vous aurez. Cette vidéo vous aura plu. Ouais, je sais quoi, c'est skin de fou. Attends. Attends. Viens là. Un C'est un hippopotame. hippopotame. Non mais on envoie des skins mec. Putain. Enfin bref, n'hésitez pas à liker, vous abonner, les petits commentaires pour le référencement. Et puis je vous laisse avec quelques photos des ouvertures de Blouse et ce qu'il a eu, etc. Ciao ciao! Ciao.